partie du pouvoir ou de l'opposition, nous avons quand même un choix qui d'appartenir à une liste indépendante. Je vois le reste, chacun avec un programme porteur d'une vision de valeur. De par leur voix, nos électeurs, les citoyens et citoyennes de Cameroun, à s'abstenir de donner la majorité absolue à une organisation ou à un parti politique, nous ont donné un mandat. Serrez-vous les coudes de travail. Et la proposition de l'exécutif pour nous attaquer. Tous les partis politiques bénéficient de conseillers et de arrêter comme ça. Elle n'en peut plus, elle n'en peut plus. Elle est grippée, oh. Vous avez élu sur la base d'un programme désormais unifié que nous assumons. Il est de ma responsabilité de la commune. À l'issue de notre mandat, les objectifs projetés et les plus soient atteints. Je m'y attends. Notre ligne de campagne pour les élections communes traduit le principe de comme des citoyens par des citoyens pour des citoyens. Gracias.
nous a fait confiance depuis le 4 novembre. Et ensuite, les 29 élus aussi nous ont fait confiance. Donc, nous remercions. Et nous disons que nous mettons tout en œuvre que Kanou soit une destination convoitée par toutes les régions de Mali. Les défis sont grands, mais quels sont les priorités? Les défis sont grands, en effet, tout est à eux. Nous avons des priorités sur 100 jours, sur 6 mois et sur 1 an. Nous les étalons après. Comment vous allez le faire? Nous allons le faire avec les convictions fortes que nous avons, avec ce qui existe et ce que nous irons rechercher. Quel sera le premier projet? La salubrité de la ville. Bien sûr que ça nous inquiète, parce que la santé vient de là d'abord. Nous voulons que les populations de Kanou soient des populations saines, sans maladie. Et pour cela, le premier acte à poser, c'est la salubrité de Kanou, la propreté de Kanou. Les partis politiques qui ont compétit. Nous avons, pendant notre campagne, nous avons dit que nous serons avec tous les partis, nous sommes une candidature indépendante. Et que tout le monde sera. Regardez la caméra. Donc si Kanou ne donne pas un bon exemple, quelles sont nos priorités? Nos priorités, c'est qu'on a vu dans la campagne. Dans la campagne, d'abord, moi, mes priorités. Votre nom? Monsieur Abraham Bozi Bangoura. El Hadji Bozi Bangoura. Bozi, mettez toujours Bozi. L'emploi jeune, c'est la priorité. La salubrité, en fait, toutes les activités du bien-être humain, la priorité c'est l'emploi jeune. Si on n'emploie pas suffisamment de jeunes, on ne pourra pas avancer. Votre numéro. Merci. Aïe, wa fo la dina kalé, dina yamantanye, bo baye.